partais avec une dose d'énergie à peu près à moitié le matin, et quand je rentrais, j'étais à zéro ou en négatif, quoi. Donc j'arrivais pas à gérer la fatigue de mes enfants, j'arrivais pas vraiment, quand il y en avait un qui mettait une goutte de compote de travers sur la table, ça me faisait péter un plomb. J'ai toujours dit, mon job passera toujours après mes enfants. Et en fait, à cause de ce job, j'étais en train de les sacrifier eux et de sacrifier la qualité du temps que j'avais avec eux. Et vraiment, ça n'en valait pas la peine, quoi. Alors, je m'appelle Gabrielle, j'ai 33 ans et je suis rentrée en école de sage-femme cette année en septembre, hein, après 10 ans chez L'Oréal. Alors, j'ai grandi en Auvergne, en fait, dans une famille dans un milieu assez préservé, je dirais. J'ai grandi dans une petite ville, vraiment très proche de la campagne, etc. J'ai vécu là-bas pendant 19 ans. Et ensuite, je suis partie à Grenoble faire mes études à Sciences Po. Et j'ai été diplômée donc en 2009 de Sciences Po Grenoble et de Sciences Po Lille. J'ai fait un double master avec une spécialité donc en communication. Voilà. Je suis partie de chez mes parents et je suis partie faire ces études parce que j'avais envie justement de sortir de ce cocon. Et donc mon rêve, c'était de vivre à Paris. C'était de vivre à Paris et de travailler en entreprise. J'avais envie de bien gagner ma vie pour pouvoir faire des voyages, pour pouvoir être libre. Voilà. Donc mon moteur principal, c'était ça à l'époque, en fait. Je sentais que pour sortir de moi, pour réussir à aller plus loin et à me dépasser, il allait falloir que je me confronte à un milieu plus difficile. Je suis rentrée chez L'Oréal en CDI, j'avais 23 ans. J'ai rencontré mon conjoint chez L'Oréal et ça a été une très belle rencontre. Et on a très vite eu donc notre fille qui est arrivée 2 ans après. Donc quand j'ai soufflé mes 30 bougies, j'avais mes deux enfants, j'avais donc un mari, mes premiers objectifs de vie, je les avais remplis. J'avais le niveau de vie suffisant pour être libre, pour faire des beaux voyages, des beaux week-ends. Enfin, j'étais devenue quelqu'un qui faisait partie des gens privilégiés, quoi. Et en fait, malgré tout, au fond de moi, il me manquait un truc énorme qui était être vraiment fier de ce que je fais. Ah là là, c'est marrant parce que c'est vraiment le truc assez typique de tous ceux qui ont ce style de personnalité en fait. On voit qu'elle, elle voit qu'elle n'a aucune raison en fait de ne pas être triste, elle n'a aucune raison parce que ST, elle te cite les trucs, ben non, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, tu vois. J'ai toutes les raisons, j'ai tous les éléments qui prouvent que je suis à une bonne situation, je suis libre, j'ai un niveau de vie confortable, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, machin. Mais là où elle ne se rend pas compte qu'il y a un souci, ou en tout cas dans un second temps, tu vois, c'est oh mon Dieu, c'est en fait au fond de moi, je suis pas fier de ce que je fais. Sentiment et identité inférieure en fait. On voit pas du pur FI, mais on voit que c'est sentiments qui sont inférieurs, on voit que c'est identité qui sont inférieures, enfin qui est inférieure, et on voit que ce qu'elle va voir, elle, c'est ST. Et ben non, ben, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, j'ai ça, et pourtant il manque quelque chose qui n'est pas justement traçable avec de la sensation et de la pensée. Et c'est là du coup le souci des ST, c'est que ils sont très 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 bons pour justement comprendre concrètement comment est-ce que quelque chose marche, mais dès qu'on va sortir, parce que tout le côté NF du monde qui est super présent, qui est super important, eux, ils ne le voient pas en fait. Et dès que ça va pas être un truc qu'on peut prouver par A plus B, tu vois, qu'on peut écrire ou qu'on peut voir, ils vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à s'en rendre compte, ils vont mettre beaucoup de temps à se rendre compte que, oh mon Dieu, en fait, c'est juste qu'il manque ce truc abstrait, beaucoup plus général et beaucoup moins logique que sont le sentiment de fierté de moi-même, tu vois. Enfin, dans son cas, à elle, parce qu'après, si c'est un mode NEFE, ça va être encore différent, mais ce sera au final le même style de problème. Magie du Kasha, TISI, lui, il a un mode NEFE, tu vois. Mais bon, au final, c'est quand même la même idée globale. Sentir que surtout ce que je fais est utile. À l'époque, je Le me levais le matin, je lisais mot-clé. l'actu. Et elle retourne dans ST. Et elle va t'expliquer concrètement qu'est-ce qui lui a fait arriver à cette conclusion, tu vois. Et oui, à l'époque, je faisais ci, je faisais ça, et voilà, et ensuite ci, ensuite ça, et ça marchait quand même ça, tu vois. Et je me rendais pas compte que NF. Et c'est aussi rigolo parce qu'elle a dit le mot-clé de tous les TEFI du monde, c'est oh, je me sens pas utile, il fallait que je me sente utile. Il doit avoir une utilité pour les gens. Je n'ai. Ah, mais attendez, mais j'ai vraiment jamais entendu. Jamais. J'ai jamais entendu un FETI dire qu'il ne se sentait pas utile, etc. Parce que les TIFE, ils ne veulent pas se sentir utiles, en fait.
Ils sont utiles à eux-mêmes, en fait, c'est de la pensée introvertie. Ils ont leur opinion, ils ont leur façon de fonctionner, ce qui marche, ce qui est utile, ce qui est vrai, etc. C'est personnel, tu vois, ils ont leur raison personnelle, leur vérité, tu vois, ce genre de truc. Que les FE disent plus souvent que les TI, d'ailleurs, parce que les TI, leur vérité, c'est la vérité, en fait. Ils ne se rendent pas compte que c'est subjectif. Alors que FE, comme ce sont des décideurs extravertis, ils se rendent compte que la vérité que eux, ils pensent, c'est que la leur, en fait. Mais jamais un FETI n'a dit, oh mon Dieu, le pire truc, c'est que je me sentais pas utile, tu vois. C'était d'être fier de moi, si. Les FE souvent disent ça. Ça, c'est très DE. Oh mon Dieu, je me sentais pas fier, je faisais ça, tu vois, pour tout le monde, etc. Et j'étais objectivement à un niveau au-dessus des autres par rapport aux autres, tu vois. À la conscience de son niveau par rapport aux autres. Conscience de l'échelle des valeurs, enfin, tu vois, de la décision extravertie. Mais elle n'était pas fière d'elle, etc. Et ça, c'est très DE, globalement. Mais être utile. Je me sentais pas assez utile. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre que des TEFI dire ça. Ce qui n'est pas dire que c'est impossible. Il faut effectivement ensuite aller voir vraiment c'est quoi les besoins humains, c'est quoi les trucs, etc. Mais Sur le réchauffement climatique, sur la crise écologique. Je lisais ça. Et puis moi, j'allais travailler chez L'Oréal où je rentrais dans un milieu qui me semblait être une bulle complètement à part, en fait. Quand je dézoomais à l'échelle de la société, je me disais, mais si demain il y a une catastrophe naturelle ou si demain il y a une guerre et que tout ça s'arrête, que voilà, moi, je sais rien faire d'utile, en fait, pour les gens. est-ce qu'on peut être plus clair que ça par rapport à la pensée extravertie? Et c'est drôle parce que comme c'est une double féminine, tu vois, c'est pas aussi agressif, c'est pas, genre, c'est pas comment il s'appelle? El famoso TE d'homme là, non, comment il s'appelle? Kémi Séba, tu vois. C'est pas Kémi Séba, c'est pas aussi agressif, c'est pas aussi direct. Mais on voit qu'au final, c'est exactement la même chose. C'est de la décision extravertie à mort. Son plus gros problème, c'est son FI inférieur. C'est pas, oh mon Dieu, je n'étais pas assez libre. Elle va dire qu'effectivement, elle voulait être plus libre, machin. Mais c'est pas son plus gros problème. Son plus gros problème, c'est pas qu'il y a, je comprends pas, il y a toujours quelque chose, et à chaque fois ça rate, et je sais pas comment ça se fait. J'ai fini par comprendre, tu vois, les ESP, le jour où ils comprennent, oh mon Dieu, et un jour j'ai compris, et genre toute leur vie s'aligne et tout fait sens d'un coup, tu vois. C'est ça le plus gros truc pour eux. Elle, on voit que c'est pas ça. Avec les observations, elle est relativement équilibrée. Relativement équilibrée. On voit quand même sensation apparemment plutôt dominante. On voit ST pas mal. Et là, pareil, d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle a dit encore? Si demain il y a une catastrophe, je sers à rien, etc. C'est encore une fois très NF. C'est très, j'imagine, des scénarios catastrophes, etc. Tu vois. C'est pas concrètement, attends, je vais imaginer comment est-ce que ça va marcher. Non, je pense que je ferais plutôt comme ci, comme ça, et NT, 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 tu vois. On voit, non, elle va juste imaginer une catastrophe, la fin du monde, etc. Tous les intuitifs introvertis, d'ailleurs, quand ils imaginent l'apocalypse, ils imaginent l'enfer, ils imaginent des flammes et des trucs comme ça. Du chaos concret, tu vois. Ils vont imaginer ça avec leur intuition introvertie, et ils vont avoir peur de ce chaos, de SE, de tout qui. Enfin, ou genre tout. Enfin, tout qui brûle, tout qui part en vrille, quoi. Mais bref, en tout cas, on voit très bien l'axe ST-NF. On voit plutôt carrément, enfin, quand même, hein, FI inférieur. Et j'en profite maintenant que je suis là. C'est assez drôle parce que, dû à ces modes, etc., on voit qu'il y a une double activation sur ces fonctions inférieures. Ces deux fonctions du bas sont doublement activés sur votre consomme SEFI, c'est pour ça qu'elle ressemble pas mal quand même à une ESFP ou un truc comme ça, à une ouais, à une SETE peut-être, ou à, tu vois, à une ESP en tout cas. Enfin, on va continuer à le voir un peu après, mais en tout cas, les gens comme ça qui ont leurs deux fonctions du bas qui sont doublement activées, c'est en général très 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 compliqué de les typer. Vraiment compliqué. Parce que quand on l'écoute, on voit tellement de FI, on voit tellement de ah ouais, mais j'aimais pas, et ouais, je me sentais pas utile, comme les INFP. Genre, parce que beaucoup d'INFP disent ça aussi. On voit tous ces trucs-là de sentiments introvertis, et elle dit qu'elle n'aimait pas et qu'elle n'était pas fière d'elle. On voit qu'elle a l'air de chercher, chercher, chercher ce FI, et c'est effectivement ce qu'elle fait en fait. Mais c'est justement pour ça qu'on voit que c'était E, parce qu'on voit que son FI, elle le cherche. C'est pas qu'elle s'en sert trop et que ça lui pose des problèmes, c'est qu'elle est à la recherche de ce sentiment introverti-là, elle est à la recherche de son identité, elle est à la recherche de tout ça. Et comme c'est doublement activé, elle s'en sert beaucoup plus que les autres, elle en a conscience beaucoup plus que les autres, elle va le chercher genre consciemment beaucoup plus que les autres, elle va se rendre compte consciemment qu'elle a pas à lui donner la priorité quand elle doit vraiment décider, etc. Mais au final, on le voit beaucoup, beaucoup. Ce qui fait que du coup, ça devient très vite perturbant de se rendre compte que c'est une EJ et que c'est une décideuse extravertie à mort, etc. Tu vois. Comme avec Henri Tran, exactement. Ah bah, c'est exactement la même colonne.
Henri Tran, c'était pareil, double activation sur sa décision introvertie aussi. C'est super dur de se rendre compte que c'est un décideur extraverti, pour les mêmes raisons. Et d'ailleurs, Henri Tran, qui est pas sur l'axe TEFI, lui, il disait pas qu'il se sentait pas utile, etc., par rapport aux gens. Il utilisait d'autres termes, je me souviens pas, mais il utilisait les termes des TIFE. Et ce décalage-là, il est devenu de plus en plus douloureux en fait dans les 3 ans qui ont constitué mon dernier job chez L'Oréal. Et j'ai commencé à avoir un petit peu la pression au moment où mes enfants ont commencé à parler, ma fille a commencé à s'intéresser et j'avais la peur qu'elle me demande, mais c'est quoi toi ton métier en fait, maman? J'étais terrifiée de ça parce qu'en fait je me disais, mais pourvu qu'elle me pose cette question le plus tard possible. Parce que je ne suis pas à l'aise dans le monde qui s'ouvre là et dans le monde dans lequel elle va vivre, de lui raconter que moi, ce que je fais, c'est de la communication pour une grande marque de shampoing, quoi. Et je trouve que quand on n'est pas à l'aise de répondre à un enfant, c'est que globalement, on met le doigt sur quelque chose qui va pas du tout, quoi. Je me sens. Et c'est drôle parce que ce qu'elle dit là, c'est ce qu'on va. Ah oui, je ne vous ai pas précisé, c'est un typage un peu spécial parce qu'il n'a qu'une seule vidéo d'elle. C'est juste cette interview-là qui dure 13 minutes, 14 minutes. C'est pas une YouTubeuse ni rien, donc je ne l'ai vue que là. Donc vraiment, on va admettre que c'est ça, sa personnalité, raconte sa vie, etc. Il y a quand même beaucoup de choses, mais bon. Après, évidemment, peut-être qu'elle est totalement différente hors caméra. Peu importe. En tout cas, ce qu'on voit là, c'est ce que, en tout cas, ce que j'ai trouvé avec cette vidéo-là, c'est ce qu'on est en train de voir. Mais ce qui s'est passé là avec sa fille, par exemple, c'est justement là qu'on voit qu'il y a beaucoup de FI. Mais attends, est-ce que c'est vraiment son sentiment introverti qui décide? On voit que non. Quand elle parle de son identité, c'est toujours, et c'est ce qu'on va continuer à voir, c'est toujours par rapport aux autres. C'est une décideuse extravertie de ouf, et c'est du sentiment introverti. Et c'est ST aussi. Donc on voit que c'était E. Si c'est ST et DE, bah c'est forcément TE de toute façon. Mais on voit pas de la pure pensée extravertie, elle est féminine, elle est activée une seule fois, genre c'est assez bizarre chez des gens comme ça, qui sont vraiment sur les bords, tu vois, qui sont vraiment à la marge entre deux personnalités. Mais on voit qu'à chaque fois qu'elle prend des décisions, à chaque fois que son identité est mise en question, c'est par rapport aux autres. C'est, oh mon Dieu, si ma fille me demande. Certes, elle va trouver qu'elle n'est pas fière d'elle, etc. Mais c'est quand sa fille va lui demander, qu'elle va commencer à se dire non, il y a vraiment un problème. C'est quand les gens lui font se rendre compte qu'il y a vraiment un problème, qu'elle se rend compte qu'il y a vraiment un problème. Quand c'est que elle, elle continue sa vie, elle continue à faire ce qu'il faut, tu vois. Elle continue à faire ce qu'il faut et pas ce qu'elle voulait. Pensée extravertie, pensée extravertie, pensée extravertie. Et au fond d'elle, elle est triste, au fond d'elle, elle se sent pas fière d'elle. Mais c'est ce que tout le monde à peu près attend d'elle, tu vois, donc elle le fait. Jusqu'à ce que, oh mon Dieu, non, si ma fille me dit ça et que je suis pas à l'aise, je n'oserais pas lui répondre à elle. Donc je dois changer pour elle et je dois changer pour les gens. Et c'est les gens qui vont me faire me rendre compte que je suis triste, ce sont les gens qui vont me dire qui je suis, etc. Quand t'es enfermée dans la vie que j'avais voulu et que je m'étais battue pour construire, quoi. Donc, ça paraît être un problème de riche, un petit peu, je pense, d'être dans cette crise de sens qu'il y a beaucoup de gens qui traversent, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas s'y attaquer. Je sais que j'ai pas vraiment le droit de me plaindre, je sais que j'ai pas vraiment le droit par rapport aux autres, j'ai pas vraiment le droit d'être triste, j'ai pas vraiment le droit d'avoir des sentiments, parce que objectivement par rapport aux autres, je suis quand même au-dessus, tu vois. Et c'est marrant parce que les pensées extraverties, genre des fois ils vont te dire non, je suis le meilleur, tu vois, et genre ils vont te balancer ça comme ça. Là c'est pas du tout ça qu'elle dit, hein, mais j'en profite. Genre des fois ils vont te dire non, je suis le meilleur et toi t'es nul, tu vois. Et tu vas dire ouh là, ce sont des décideurs introvertis parce qu'ils se croient au-dessus des autres. Non, en fait, ce sont vraiment des décideurs extravertis, des penseurs extravertis, mais ils ont conscience que objectivement, ils sont vraiment mieux, ils sont vraiment plus valorisables que toi parce que si, parce que si, parce que ça, parce que ça. Et elle, on voit que elle voit que du coup, elle est au-dessus de pas mal de gens, que c'est un problème de riche, elle travaille à L'Oréal, etc. Et genre, elle est objectivement bien placée dans la société, tu vois. Elle a objectivement de très bonnes raisons pour pouvoir dire moi, j'ai réussi ma vie, moi, je suis bien. Et toi, non. Enfin, toi, non. Enfin, pas forcément toi, mais les gens comme toi, non. Elle a conscience de l'objectivité de où elle se place par rapport aux autres, en fait. Ce dont les décideurs introvertis n'ont pas conscience du tout. Pas du tout. Et des fois, ils vont se sentir trop, trop frais, alors que c'est personne. Des fois, ils vont se sentir nuls, alors qu'ils sont largement meilleurs que tout le monde, tu vois. Ce sont déjà les meilleurs, mais ils n'arrivent pas à être fiers d'eux. Elle en voit qu'elle est objective et qu'elle voit sa valeur. Enfin, de manière objective en fait, par rapport aux autres, de manière sur un spectre, tu vois. Et elle voit où elle est sur le spectre. Et elle voit aussi que du coup, elle n'a pas le droit de se plaindre parce que c'est un problème de riche. Et objectivement, il n'y a aucune raison qu'elle soit triste. Et blablabla, pensée extravertie, FI inférieure, FI inférieure. Et donc pendant 5 ans, j'ai cherché comment faire mon métier, c'est-à-dire comment garder tout ce que j'avais fait chez L'Oréal, etc., et tout ce que j'avais appris,
comment aller le mettre au service d'une cause qui était plus importante pour moi. Donc j'ai rencontré des gens qui travaillaient vraiment sur cette question de... Et quand justement elle cherche à faire quelque chose d'autre, quand elle cherche à comprendre qui elle est, elle se rend compte qu'elle n'est pas triste, elle veut changer, etc. Qu'est-ce qu'elle va faire? Premièrement, elle va chercher à se mettre au service d'une cause qui est plus importante pour elle. Tu vois, on voit qu'elle veut se mettre au service de quelque chose, elle veut être utile pour les gens. Et genre, c'est vraiment pour de vrai en fait. Elle vit vraiment selon ça. Parce qu'il y a plein de gens qui vont te dire ça, mais qui vont vouloir être utiles pour le monde, mais en continuant à peindre les trucs qui leur plaisent dans leur chambre. Tu vois, il y a plein d'ISFP ou de je sais pas quoi, tu vois, qui aiment l'art ou qui aiment la musique et qui sont vachement créatifs, etc. Enfin bref, les trucs d'ISFP. Et ils vont dire pareil qu'ils veulent être utiles, machin, mais pour être utiles au monde, ils vont se concentrer encore plus sur leur sentiment introverti parce que non, si vraiment j'arrive à faire un truc dont je suis vraiment super fier et que j'aime vraiment à mort, tu vois, normalement, magiquement, ma fonction inférieure va finir par suivre et à force de travailler à mort sur mes fonctions dominantes, mon besoin d'être utile pour les gens va finir par arriver comme par magie, tu vois, alors qu'en fait, pas du tout. Mais elle, on voit qu'elle veut vraiment être utile et genre, elle fait vraiment des choses pour être utile. On voit que quand elle veut changer de métier, etc., c'est quoi la première chose qu'elle veut faire? C'est se mettre au service d'une cause. C'est ensuite aller parler à des gens, et on va parler du coup un peu de ses modes aussi, aller parler à des gens, aller demander à tout le monde comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce que je dois faire, demander aux gens qui elle est. Elle a besoin des gens pour lui dire quelle est son identité. Donc j'ai rencontré des gens qui travaillaient vraiment sur cette question du changement climatique et du changement de société, etc. Et à chaque fois que je m'imaginais directrice de communication ou responsable de communication... Il y a un mode jeu et il y a un mode sommeil. Elle va aller rencontrer des gens qui... Et en plus d'ailleurs, c'est des gens qui sont qualifiés, ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent, etc. Ce sont des gens qui sont crédibles, qui sont légitimes. C'est pas du FE, encore une fois. Ce sont des gens, genre, qui sont... C'est pas de la destinée extravertie basée sur des valeurs ou je sais pas quoi. Enfin bref, je pourrais pas te dire exactement comment est-ce qu'aurait fait un EFJ. Là, j'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais c'est... Enfin, peu importe, mais en tout cas, elle, on voit qu'elle va avoir des gens qui travaillent sur ça, des gens qui sont, tu vois, c'est de la pensée, quoi, je veux dire, on voit qu'elle va s'intéresser à des gens qui, genre, qui peuvent lui expliquer pourquoi, qui peuvent lui donner des raisons pour lui expliquer un truc, tu vois, c'est pas des gens qui vont juste lui faire se sentir bien. Et on voit aussi son mode sommeil, on voit que souvent, elle dit oui, pendant longtemps, j'ai pensé à ce truc-là, et quand je rêvais, etc., tu vois, et pourtant, c'est une ST, mais sa sensation, elle est féminine, sa pensée, elle est féminine, donc c'est ST dominant, mais c'est ST... Le double féminin, tu vois. Et elle a ce côté NI, FI, qui a l'air vachement présent, qui a l'air d'être vraiment lié à son mode sommeil, mais on voit ce côté sommeil, ce côté NF, qui ont l'air d'être un peu ensemble, de souvent elle se met à penser, à rêver, à imaginer le futur, etc. Et à est-ce qu'elle serait contente, est-ce qu'elle serait utile pour les gens, et est-ce que ça lui plairait, est-ce qu'elle serait fière d'elle, tu vois. On voit qu'elle a cette capacité à passer dans ce mode sommeil-là, et de, bon, elle va aller... partir demander à tout le monde de qu'est-ce que tu penses que je devrais faire et toi comment est-ce que tu fais et qui je suis etc. Mais on voit qu'après elle se pose et elle réfléchit pour elle-même, elle essaie vraiment de retravailler le truc pour elle-même, de régler le problème toute seule, etc. Tu vois. C'est pas... Genre ceux qui n'ont pas de mode sommeil, ils n'ont pas cette capacité-là à juste se poser et à se mettre à réfléchir, tu vois. Ils sont tout le temps, beaucoup trop en train de courir partout, à droite, à gauche, et ils se rendent rarement compte de ce genre de problème-là. Mais chez Greenpeace, en fait, c'était un peu plus aligné, mais j'avais absolument pas le déclic. Et je me disais à l'époque, je me souviens très bien, je disais en fait, je suis sûre que je suis bonne pour quelque chose et que c'est pas ce à quoi je suis en train de penser. Et encore une fois, c'est quoi la... Enfin, dans le décodage sexualité des autres parties, je crois. Je crois, hein. Je suis pas sûr. Mais dans un décodage qui s'affiche actuellement, on avait vu que genre, les fonctions dont on se souvient, ce sont soit les fonctions masculines, avec sensation, etc. déjà, mais même DI, DE surtout, la décision introvertie et la décision extravertie, souvent c'est celle qui est masculine dont on va se souvenir. Les DE masculins, ils se souviennent de ce que les gens leur ont dit, etc. Les DI masculins, ils vont se souvenir de ce que eux, ils ont pensé. On voit que... De quoi est-ce qu'elle se souvient très bien, comme elle dit elle-même, c'est qu'est-ce que elle s'était dit, et je suis sûr que, et son FI, son fort intérieur qui lui avait dit que si tu es bien et tu es utile à quelque chose, et tu vois, c'est son identité, c'est sa confiance en soi dont elle s'est souvenue pendant des années, tu vois. Et j'aimerais qu'on me montre ce que c'est. Voilà. Et voilà, et j'aimerais qu'on me montre ce qu'on sait. Je sais que FI, mais. J'aimerais que décision extravertie, et au final, on voit qu'à chaque fois, il y a énormément de sentiments introvertis, mais c'est quoi qui a le dernier mot?
c'est la décision extravertie. Et en plus, on pourrait se dire, ah, bah, du coup, c'est une double décideuse, etc. Non, parce que clairement, son problème, c'est pas des trucs d'observation. On voit qu'elle passe son temps à jongler, à passer de TE à FI, parce que c'est son plus gros problème, en fait. J'ai besoin qu'on me dise quoi faire, j'ai besoin qu'on me dise qui je suis, mais en même temps, moi, je suis pas fier de moi après, et moi, j'ai envie de faire ci, et moi, j'ai envie de faire ça, mais les gens et moi, mais les gens et moi, et les gens et moi. Et c'est ça son plus gros problème. Ses fonctions d'observation, on en entend à peine parler. On en entend vraiment à peine parler. À l'époque, donc j'étais pas totalement bien dans mes pompes. Et FI. pour remplir ce vide, je faisais effectivement des achats compulsifs et je mangeais beaucoup. Je mangeais beaucoup parce que c'était ma forme de plaisir immédiate, quoi. Et donc j'avais pris beaucoup de poids. Et ça, ce poids, je pense que j'avais même pas vu à quel point j'avais grossi, mais j'avais vraiment 15 kilos de plus qu'aujourd'hui. Et je pense que c'est ce moment-là où, quand je me suis rendu compte que je commençais à cacher un peu de la bouffe et à manger un peu à la va-vite des choses comme ça pour me faire un petit shot de plaisir, etc., c'est là que j'ai compris qu'il y avait un vrai symptôme du fait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout à l'intérieur. Exactement. C'est marrant d'ailleurs parce que, encore une fois, par rapport à. Non, pas ST, mais juste T, on voit que quand elle va se rendre compte qu'elle est triste et qu'il y a un problème avec son sentiment introverti, etc., c'est quand elle va se rendre compte de. Attends, il y a quelque chose qui cloche, qui marche pas en fait. Elle doit faire des observations, genre pragmatiques et comprendre comment est-ce que ça marche. Et genre, c'est quand elle va se rendre compte, là j'ai caché de la nourriture, j'ai pris 15 kilos. Et je suis grosse, tu vois, elle doit genre avoir des faits, enfin non, au final, c'est ST, elle doit genre passer tous les faits en revue, essayer de comprendre comment ça marche, elle va finir par se rendre compte, ah, en fait, ce qui manque, c'est que, ah, je suis triste, en fait, tu vois. Et c'est marrant de voir, il y a tellement de penseurs qui, pour se rendre compte qu'ils sont tristes, doivent vraiment passer par des analyses rationnelles de ouf et se dire, non, mais attends, pourquoi est-ce que je me comporte comme ça? Pourquoi est-ce que je fais ci? Pourquoi est-ce que je fais ça? Et quand ils comprennent les raisons de leurs actes, ils se rendent compte que, ah, en fait, j'ai fini par comprendre comment est-ce que ça marche, et le problème, c'est que je suis triste, et c'est que j'ai pas assez confiance en moi, et c'est qu'il y a un problème à l'intérieur. C'est vraiment pas facile à voir, mais en fait, quand on le voit, on se rend compte de pourquoi est-ce que c'est pas facile à voir, en fait. Et on voit que non, elle te parle tout le temps de son sentiment introverti, mais à chaque fois, c'est après avoir eu des raisons logiques de le faire, on voit que c'est une penseuse, on voit que c'est une décideuse extravertie. C'est pour ça que c'est souvent su super important de bien saisir c'est quoi une fonction dominante et une fonction inférieure, parce qu'avec des gens comme ça, genre, c'est tellement facile de l'avoir et de se dire que c'est une ISFP, tu vois, mais genre vraiment, c'est tellement facile de penser que c'est une ISFP parce que on n'entend que du sentiment introverti et on entend aussi pas mal de SE. Mais bon, aussi par rapport à son mode consomme, parce qu'à partir du moment où on sait qu'il y a un mode jeu et il y a un mode sommeil, on voit que son mode sommeil, il n'est pas en tout dernier en tout cas. On voit qu'elle a un mode sommeil quelque part et on voit que ses fonctions, c'est TE et SE. Donc du coup, forcément, si elle a ça et ça, c'est soit consomme, c'est soit je consomme sommeil, soit je réponds sommeil. C'est aussi pour ça qu'on voit beaucoup de FI, c'est pour ça qu'on dirait une ESFP, etc. Tu vois, c'est parce que c'est son mode consomme qui est doublement activé. Mais bon. Mais on voit quand même que son mode consomme, il est avant son mode répond, en fait. Et de toute façon, il y a forcément un mode qu'elle doit ne pas avoir. Donc si elle a et un mode jeu, et un mode sommeil, et un mode consomme, on ne voit pas qu'elle n'a pas de mode répond, mais par déduction, c'est qu'elle n'en a pas. Mais dans sa façon de vouloir acheter plein de trucs, de manger beaucoup, ce sont des problèmes qu'on voit beaucoup chez les gens qui ont un mode consomme dominant. Et en plus, c'est un mode consomme SF. Et souvent, effectivement, les SF, ils vont avoir tendance à préférer les trucs que, genre la gratification immédiate, en fait. Ça se voit encore plus quand c'est SE, mais c'est pareil avec SI, mais ça se voit encore plus quand c'est SE. Ils veulent vraiment faire des trucs qui sont cool maintenant. Ce qui fait qu'ils ont souvent un mode consomme qui est dans le spontané, dans l'achat compulsif, etc. Tu vois, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de SEFI, de SFP qui ont les problèmes qu'elle décrivait là. Et elle, comme son mode consomme, c'est un mode consomme de SFP, et qu'il est dominant et qu'il est doublement activé, elle a un côté SFP qui est extrêmement présent, et elle va partager des problèmes avec eux aussi. Et puis la nervosité avec mes enfants le soir. Je leur disais, on est tous fatigués le soir, mais en fait eux aussi ils étaient fatigués et entre les deux c'était moi l'adulte. Donc c'était pas normal que ça soit moi qui leur demande de prendre en compte ma fatigue. Ça aurait complètement dû être l'inverse et j'avais pas le réservoir pour gérer ça à l'époque. C'était de la faute de personne. Ma vie était pas difficile, mais moi j'étais pas au bon endroit. Je me suis C'était de la faute de personne, mais moi je n'étais pas au bon endroit. Déjà, pourquoi est-ce que tu veux que ce soit la faute de quelqu'un, déjà, décideuse? Parce que les observateurs qui pensent vraiment que c'est pas de la faute des gens, mais que c'est de la faute de quelque chose, et c'est le système qui nous oblige à machin, ils disent, enfin, ils ne pensent même pas qu'on puisse penser que c'est à cause de quelqu'un, donc ils vont même pas préciser que c'est de la faute de personne, en fait. Ils vont juste t'expliquer que c'est de la faute du gouvernement, tu vois. Sans se dire, ah, mais du coup, tu accuses le président en particulier, c'est à cause d'Emmanuel Macron, c'est ça?
Non, c'est juste à cause du gouvernement. Enfin, même si c'était quelqu'un d'autre, c'est les institutions et machin et machin et machin, tu vois. Donc, il ne pense même pas à préciser qu'il n'accuse personne. Dis là, il faut que tu t'occupes de cette reconversion, quoi, de ce que tu as vraiment envie de faire. Et à ce moment-là, j'ai l'impression d'avoir exploré tout ce que je peux explorer pour accoucher de moi-même, et pour autant, je n'ai toujours pas la solution. J'ai amassé toutes les informations et je n'arrive pas à comprendre. Au final, sa fonction la plus... Enfin, c'est un peu compliqué, tu vois. Et c'est justement le problème avec ces gens-là, c'est que du coup, sa toute dernière fonction, c'est FI, mais elle est doublement activée. Et au final, effectivement, sa fonction sur laquelle il y a un trait qui n'est pas justement activé, c'est l'intuition introvertie. Et on voit que ce qu'elle est en train de dire là, c'est que j'ai amassé toutes les informations possibles, j'ai consommé toutes les informations possibles, tu vois. J'ai OE, 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 et je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe, je n'arrive pas à tirer de conclusion, je n'arrive pas à dire voilà, c'est ça le problème, je n'arrive pas à mettre un terme, à mettre une fin à cet amassement d'informations, je n'arrive pas à observation introvertie. C'est vraiment, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à limiter à observation introvertie, oui, à observation introvertie en fait, à OI. Et c'est pour ça qu'on dirait une ESFP, elle va dire ce genre de truc avec l'intuition introvertie comme oh mon Dieu, c'est parce que je n'arrivais pas à comprendre, il me manquait des informations. Mais en fait non, parce qu'elle-même, elle se rend compte qu'elle a toutes les informations, elle voit que le problème, c'est pas avec ses fonctions d'observation, tu vois. Elle voit que non, j'ai toutes les informations qu'il faut, et pourtant, je n'arrive pas à conclure. Un ESP, il ne sait pas qu'il a toutes les informations qu'il faut. Et il pense vraiment que non, il faut qu'il continue à lire toujours plus, à bouger toujours plus, à découvrir toujours plus de choses, à voyager, il faut qu'il change de métier, il faut qu'il change d'amis, il faut qu'il trouve une nouvelle copine, il faut qu'il trouve un nouveau truc, un nouveau truc, un nouveau truc. Il n'a pas conscience que non, c'est pas à cause de tes fonctions d'observation de problème, c'est pas parce qu'il te manque des informations, tu vois. Lui, il va pas se rendre compte, il va vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus. Alors que elle s'en rend compte que bah non, c'est pas un problème d'observation. Certes, je n'arrive pas à comprendre, certes, je n'arrive pas à intuition introvertie, mais le problème ne peut pas venir de là, tu vois, parce que ce sont malgré tout mes fonctions du milieu. Donc le plus gros problème, c'est que je suis pas à ma place, et c'est que je suis pas. C'est que je me sens pas assez utile, et c'est par rapport à mes enfants, etc., tu vois. Au gré de mes lectures, de choses, je tombe sur un article de Et blog. tu vois, comment elle te dit ça? Oui, j'ai consommé des informations. Est-ce que ça a l'air d'être un truc qu'elle cherche à montrer? Hey, vous savez que j'ai un mode consomme. Hey, vous savez que j'ai lu. Et en fait, ouais, en fait, lire, ça permet de te faire apprendre des choses et ça t'élève en tant que personne. Découvert dans ce livre-là, et j'ai vraiment lu. Hein, il faut vraiment que vous le lisiez, vous aussi. Je sais que c'est long, je sais que. Mais franchement, lisez-le. C'est un truc de ouf pour eux d'avoir consommé des nouvelles informations, d'avoir fait des recherches, tu vois. Ils vont être super fiers d'eux, ils vont chercher à le montrer, etc. Elle, on voit que oui, j'ai consommé des informations, et j'ai lu, et j'ai appris. C'est pas un souci, elle cherche même pas à le montrer, tu vois. Blog en fait d'une blogueuse qui interviewe en fait une astrologue qui raconte son approche de l'astrologie que je trouve en fait extrêmement moderne, et cet article m'interpelle vraiment. Je sens qu'il faut que je consulte cette astrologue, donc ça a l'air complètement zinzin comme ça, mais à l'époque je me dis en fait foutu pour foutu, au point où j'en suis, franchement pourquoi pas l'astrologie quoi. Et donc je consulte cette astrologue et je lui explique mon problème. Et elle me dit assez rapidement, oui, l'écologie, l'environnement, tout ça, c'est des sujets qui vous touchent parce que vous venez de là un petit peu par votre famille, mais c'est pas du tout ça votre mission. Et elle me dit, c'est pas écrit noir sur blanc, mais pour moi, enfin, vous êtes thérapeute, quoi. NF inférieur. C'est quoi? Perdu pour perdu, astrologie, NF, on verra bien. On voit que c'est vraiment en dernière solution. Et surtout même décision extravertie. Et on voit que qui lui dit ce qu'elle doit faire, qui lui parle de son identité, etc. Elle te parle tout le temps de son sentiment introverti, très 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 bien. Est-ce que c'est une décideuse introvertie? Est-ce qu'elle donne la priorité à ses propres décisions? Non. On voit qu'elle est triste, elle n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'elle se sent comme ça, elle ne se sent pas utile, elle ne se sent pas à sa place, elle n'est pas fière d'elle-même. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Mode jeu, déjà, effectivement, encore une fois, mais surtout, c'est de la pure, pure, pure décision extravertie. Elle doit aller demander à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que, genre, qui est-ce que je suis? Elle a besoin des gens pour lui dire quelle est son identité. Et c'est la définition même des décideurs extravertis. Il y a même un autre petit truc rigolo. Par rapport à la vidéo responsabilité, par exemple, souvent, on va pas se rendre compte que on voit pas du tout les choses comme elles se sont réellement passées, en fait. Et là, c'est drôle parce que. Et elle me dit, c'est pas écrit noir sur blanc. Elle s'en fout que ce soit pas écrit noir sur blanc, elle est voyante, en fait.
Est-ce que tu peux faire plus NF et plus pas écrit noir sur blanc que ça en fait? C'est drôle parce que je pense vraiment que c'est pas la voyante qui lui a dit ça, c'est elle qui s'est dit oh, elle me dit ça alors que c'est pas écrit noir sur blanc, et c'est elle qui s'est fait la réflexion de c'est pas écrit noir sur blanc parce que c'est elle la ST en fait, et c'est elle qui a besoin que ce soit écrit noir sur blanc, que ce soit prouvé, que ce soit montré, tu vois, pour y croire. Explique mon problème. Et elle me dit assez rapidement, oui, l'écologie, l'environnement, tout ça, c'est des sujets qui vous touchent parce que vous venez de là. Ce sont des sujets qui vous touchent parce que machin. Tu vois, encore une fois, je sais pas si c'est vraiment l'astrologue, la voyante, c'est qui lui a dit. Ça vous touche parce que, et je pense pas que ce soit elle qui ait cherché à lui prouver, qui lui ait dit parce que, qui ait voulu lui montrer les raisons. Elle y croyait, et du coup, elle doit avoir des raisons, et du coup, elle va comprendre implicitement les raisons, et elle va dire qu'elle lui a donné des raisons, alors que non, personne t'a donner des raisons, tu y crois parce que FI. Je pense que c'est juste elle qui a besoin de ça pour y croire, parce que comme c'est une ST, eh ben elle peut pas croire un truc qui est juste NF en fait. Et même si elle veut y croire, il faut que, non, il faut que au moins la personne qui soit à l'origine de ces mots-là ait conscience que c'est pas assez ST, tu vois. Un petit peu par votre famille, mais c'est pas du tout ça votre mission. Et elle me dit, c'est pas écrit noir sur blanc, mais pour moi, enfin, vous êtes thérapeute, quoi. À ce moment-là, en fait, je rigole parce que je me dis, mais enfin, c'est une évidence. Elle a complètement raison. Et comment je peux être activement dans une recherche de moi-même depuis 5 ans sans avoir moi-même compris ça, quoi. Depuis 5 ans, tu vois, encore une fois, mode sommeil. Alors, c'est rare que des gens qui n'ont pas de mode sommeil vont ressasser des problèmes comme ça pendant des années, en fait. C'est vraiment, en général, ils vont passer à autre chose, ils vont, bref, ils vont, avec leur trop-plein d'énergie, ils vont trouver une solution, où ils vont, tu vois, enfin, pendant 5 ans, tu te poses la même question et tu réfléchis au même souci. Alors, certes, c'est parce que c'est sa toute dernière fonction, etc. Mais en tout cas, jamais quelqu'un qui n'a pas de mode sommeil en parle de cette manière-là. Parce que pour lui, ressasser un truc comme ça en boucle et se poser des questions pour soi-même et réfléchir à la chose pendant 5 ans, c'est pas quelque chose qui est normal. C'est pas quelque chose qu'il aura conscience de faire, en fait. Et il te dira pas, oui, ça fait 5 ans que je réfléchis à ça et j'ai toujours pas trouvé, tu vois. Pour quelqu'un qui n'a pas de mode sommeil, qui a un mode rampant ou qui. Enfin, tu vois, c'est pas possible. Bref. Elle s'appelle L'Oréal parce que...